Bienvenue dans cette vidéo du jour, samedi 12 août. Donc là, j'ai reçu un maxi colis 3 kilos venant des States. Un grand merci à ma factrice sympathique, elle se reconnaîtra. Merci bien. Allez, donc je vais le déballer avec vous. Ça va être bien sympathique ça. Donc des produits principalement Phoenix Artisan. Un peu de Razorock, ça je pense que je vais le couper. Ça sera mieux pour voir. Donc je vais essayer de faire une vidéo assez courte aussi. Voilà. Excusez les petits temps morts là. Mais il n'y a pas trop longtemps. Donc pas mal de savon. Emballage. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire le petit premier là. C'est vrai que c'est une première que j'ai fait avec vous là. L'ouverture de colis. Puis je me suis dit, allez, je vais partager. Et c'est vrai qu'en ce moment là, j'ai fait un putain de gros craquage là. Oh. J'ai beaucoup trop commandé. Allez, on va commencer. Donc Phoenix Artisan. Donc ça, c'est planète vétiver. Donc ils ont mis tous les vétivers de la planète. Voilà. Bon, il y a du scotch. Je vais pas tous les ouvrir. Hein. Ça, Red Egyptian Musk. Donc ce pot il est fini. Lors de la commande en fait, j'ai eu le choix entre ce pot ou un autre avec un cosmonaute là dans la série Planète, c'était Red Planet. Donc Vétiver Planet. Il y a aussi Lavender Planet et puis celui-là. Donc celui-là ouais, c'est à base de musc. Et après je ne sais plus trop quoi les odeurs. Le Solstice, voilà, quelque chose apparemment ça fait une odeur comme dans le désert d'Arizona, avec un peu de sauge. ATG, je crois que ça fait un genre de barbershop, un truc frais, bien sympathique aussi, ouais. Allez, le reste. Donc j'espère que ça vous plaira, cette petite vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez, ouais. Si jamais je fais d'autres commandes, si vous voulez que je fasse un autre déballage en direct. C'est sympa de le savoir aussi. Allez, la suite. Donc là, c'est Catis Bubble. Eau de toilette, le piment de la vie. Ça, c'est vraiment... C'est une pure tuerie, celui-là, là. Ah ouais. Pour ça que j'ai voulu le prendre. Donc là, Crown King. Ouais, c'est vrai que je ne vous ai pas dit que cela aussi... C'est du Crown King, cela, de la marque Phoenix Artisan. Donc, c'est une seconde marque. Donc, ça, c'est citron vert. Là, on est chez Phoenix Outspice. Un truc vraiment sympa, une odeur. Je crois que ça fait une odeur d'encens avec un truc bien terrible aussi. Là. Allez, le suivant. Rasage. Hop. Ça en fait pas mal, hein. 3 kilos, c'est pas mal, hein. Donc là, l'après rasage Solstice de chez Phoenix. Ici, on a Steeple Chase Sport, donc un genre de barbershop. Ça, c'est Crown King. De toute façon, hein, vous doutez bien que vous les reverrez en vidéo de rasage, ces produits-là. Agartha de chez Phoenix. Donc, celui-ci, je l'ai pris parce que ça fait une senteur
un peu épicée et je l'ai prise pour aller avec le savon Vircapo Original, où j'ai déjà fait des vidéos sur ce savon-là. Le suivant, après rasage, donc Outspice de chez Félix. Et là, on est chez Crown King, donc le citron vert. Allez, au suivant. Et je vous jure, ça fait comme un gamin avec ses jouets, quoi. Comme si c'était Noël. Bon, là, c'est des petites cartes. Sticker Phoenix. Voir ce que je peux en faire. Et ça, c'est des anneaux pour un blaireau. Allez, suivant. Un après-rasage, toujours. Donc, ATG Phoenix pour aller avec le savon. Là, on va passer à Razorock. Eau de toilette. Donc, c'est marqué, ouais, eau de parfum. Stallion. Stallion, j'ai pas encore fait de vidéo parce que j'ai le savon et l'après-rasage, mais aussi, cette odeur, c'est une tuerie. Ça, c'est quoi? Ah, ouais, un échantillon. Pour la... Mais voilà, justement, vous le voyez là, le Red Planet, donc la nouvelle étiquette. Et je pense que c'est un échantillon d'un après-rasage Star Jelly Aftershave. Voilà, donc un après-rasage en gel. Et ici, on a le Razorock, le rasoir Baby Smooth. Donc là aussi, il y aura une vidéo. Voilà, il a l'air plutôt bien. Quand même une belle courbure. Donc à voir ça. Donc il y aura une vidéo en direct. En test. Blaireau Crown King. Donc ça, j'ai voulu les prendre par curiosité. Puis aussi parce qu'ils étaient en solde. Je l'avais partagé sur ma page Facebook. Donc moi c'est le manche, je trouve ça plutôt sympa, donc à voir après pour la tenue de la main. Donc deux styles de touffe où en fait j'ai pas réussi à faire un choix, à vrai dire. Parce que il y a une touffe qui est style plisson, comme celui-ci, voilà. Style plisson. Et celle-ci là, c'est elle serait plus celui-là serait plus souple que celui-ci en fait. C'est pour ça que j'ai pris les deux dans le doute. Parce que moi le plisson je l'avais trouvé trop souple. Donc je verrai l'utilisation. Donc voilà. Des manches en bois. Bien sympathique. Et je pense que c'est tout, ouais. Mais c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Allez, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo-là, elle va vous plaire. Dites-moi si jamais je fais d'autres commandes, si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là. Je pense que oui, sans vouloir me tromper. Allez, on va faire comme ça. Donc, merci du visionnage, bon rasage. Ciao.